Merde alors. Comment ça a l'air? Non, c'est pas ça. Merde, faut que je revienne en arrière. Je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus de rien. Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est la porte. C'est cette porte. Ah d'accord. Oui, ok. Ok, bon non, mais donc, ok, donc en fait ça doit être là une espèce de chambre forte. Si j'ai bien tout compris. Alors ensuite donc là c'est les couleurs, c'est les couleurs, les couleurs, les couleurs, les talins, talins, les couleurs, talins, talins. La porte, talins. Talins. Talin, 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 demi-tour, talin, allez, allez, on y croit. Oui, je t'avais demandé prêt, mais bon. Allez, talin, le deuxième, facile celui-là, on va le battre. Ah, je suis derrière. Ah, il est repassé devant. Ah, bah. Ah bah incroyable! Ah bah là la faiblesse elle marche! Ah bah le combat va être beaucoup moins long! Ah là là! Ah que ce combat était difficile d'avant! Oh lolo! Je vais récupérer la clé donc! Je sors la clé, il y a une clé qui fonctionne pour tout! Et donc là c'est l'énigme des couleurs! Et y a des putains de squelettes. Bordel. Non, mais je m'occupe du zombie des brumes là, même si je suis malade et j'en ai rien à faire. Le zombie, il va mourir. Voilà. Et donc là, là normalement dans un de ces coffres, il y a un truc. Il y a le haut de jouet qui sert je ne sais pas à quoi. Alors, ouais, la question c'est où est-ce qu'il était? Il était là. Alors en fait non. Ça se trouve il sert pas. Ça se trouve c'est juste un objet inutile. Moi je... Ok. Ah non, oula, alors est-ce que vous le voyez? Est-ce que... Ah oui, donc j'ai une inscription dans le mur qu'on voit pas en face mais qu'on voit de derrière. Ah non, il est là. Oui, non, d'accord. Non, mais je le savais. Je le savais. Oh, une baguette. Oh oui, un truc inutile. Que je ne peux pas utiliser. Bon, alors, les couleurs. Mais qu'est-ce que... J'ai vu un truc. J'ai vu quelque chose. Je ne suis pas fou. Ah bah tiens. Et même là. Donc. Ah non, primaire. Primaire, primaire. Alors, était coloré de rouge, de bleu et de jaune, il y a des gemmes enchâssées au fond du massin. Ok. Alors, après un examen approfondi, vous voyez une gemme rouge, une bleue, une jaune. Alors attends. On va la refaire. Rouge, bleu et jaune, ok. Là, oula. Ah, les couleurs. Ah, c'est chiant. Voyons. Mettons une rouge. Voilà. Et puis là. Ah d'accord.
Bah mettons une jaune. Ok. Alors, the primary color have been shown, the result of the union is placed in the fountain. Et le résultat de la couleur doit être placé dans la fontaine. Ça fait du orange. Ah d'accord. Ok, tac, tac, tac. Donc je... Ok. Donc si je place le orange, je vais me faire foutre. Non, bon, si je place. Tac. Attends, et si je fais. Attends, attends, j'ai. Attends, mais merde. Elle est où cette conne? Ah! Reviens! Ah! Voilà. Merde, je peux pas faire dissocier. Je suis sûr, je peux faire dissocier. Attends. I. Séparer. Séparer. Je voudrais les. Ah, si, là. Séparer. Tout sélectionner. Non. Ok. Séparer. En 1. Allez. 1. Voilà. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh là là. Ah là là, ça va être long et chiant. Donc. Voilà. Séparer. 1. Ok. Séparer. 1. Ok. Donc là. J'ai. Une gemme de chaque couleur. Oh, ça va être long. Que je les mette bien comme ça, que je me repère. Elle est où la dernière? Elle est où l'autre conne? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait. Donc, si je me mets là, et que je balance une orange. Non, c'est pas ça. Si je me mets là, et que je mets une. Orange. Ok. Donc là, c'est orange. Où est-ce que j'ai remis l'autre? Oh, l'autre, à chaque fois, elle va se remettre là, ça va être long. Donc là, j'ai une orange. Ok. Donc là. Ok, une orange. Ensuite. Ouais. Et, ah, et donc là, je vais mettre une orange aussi. Mes oreilles. Donc. Bon. Ça peut me servir ça. Donc ouais. Donc c'était. Oui, il faut faire un mélange. Donc. Ok. Ça avait pas l'air compliqué sur le papier. Mais mes oreilles ont décédé. Ah bien décédé. Et donc là ensuite, c'est le coup des gongs. Où il fallait revenir dans le passé. Ça, à la limite, ça se tient. Parce que tu vois, t'es obligé d'aller dans le passé pour faire cette énigme. D'abord, on va se reposer. On va se regarder. Pour le moment, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc là, le golem que j'attaque. Que normalement. Alors normalement, je l'avais demandé d'être insensible. Ah, voilà. Ah, c'était assez intranchant, pas d'avant. Voilà. Là, hop. Petit critique nul. Ah là là. Ah là là. Qu'est-ce que ce combat est chiant. Ah mon dieu, il m'attaque avec un gaz et le combat était nul. Et d'accord. Oui, donc il y a des gens qui apparaissent, disparaissent comme ça, tranquille, easy, facilement. Là, normalement, il n'y a rien, il y a juste ce truc. C'est un élément de décor, ma foi, fort sympathique, fort sympathique. On aime ça, c'est la joie, la bonne humeur.
Et non, il y avait du caca. Si, il y avait une potion. Mais une potion. Écoute, on va pas t'en mettre deux. On va mettre une potion. Et la porte, elle est là-bas. Et là, il y a un petit coffre avant. Le petit coffre tranquille. Petit bac de soins. Plus 6. Et là, du stream. Évidemment. C'était un combat. Un combat intense. Avec des rebondissements. Ouh, salut toi. Oh, il est hors de Bodak. Passer dans l'inventaire et je vais l'utiliser. Bah, vas-y. Donc évidemment, moi je le reconnais, c'était 1, 2, 3, 4, soleil. Et en fait, non, il y avait un piège, c'était 1, 2, 3, vous n'avez pas suivi. Voilà, tin, 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 tin. Des pièces d'or. Je trouve ça très relaxant ces gongs. Moi je me bien. Il y a un piège. Pas de piège. Ah, je le savais. Bouclier nul. Bouclier à chier. La dame va mourir. Au prochain piège, il va mourir. Si c'est un piège en série. Et ça a l'air d'être tout. Ok, donc les coffres. Oui, alors. Un. Voilà, note jouée. Bon, il n'y a pas le sample. Bit. 3. 4. 5. 6. Allez, 7 et 8. Maintenant, on attend qu'elle ait fini son petit tour. Parce que je suis obligé. Et c'est extrêmement énervant, on va pas se mentir. Là, on a combien là? 5, 5, 6, 7 et 8. Bon, elle est à moitié. Allez. Allez. On y va. On est chaud, on est bon. Allez, la dernière. Allez, ma grande. Allez, charge la conversation. Non, pas cette conversation-là. Allez, dis-moi que c'est bon. D'accord, ok. Ah ah. Eh ben vas-y, on suit la fée. On suit la fée, on fait comme la fée. Notre jouet? Non, tu l'as pas joué. Voilà. Eh oh, tu l'as pas joué, écoute. 6. Notre jouet? Non, tu l'as pas joué. Ah! Bon. 1. Il y a un problème de sample. Ah, c'était pas le bon. Voilà, c'était pas le bon. Ah, je sais, je m'étais trompé, j'ai fait Badger Connell.
Donc on la refait. Ça me gêne ce follet. Voilà, là elle me dit de le jouer. Et là, c'est bon. Voilà. Attends, casse-toi. Putain de fée. Bon, et maintenant, je suppose que je peux aller là. Mais que je suppose qu'il y a un combat. Un petit combat des familles. Allez, petit combat. Oh bah. Salut Bélial. Salut Bélial. Ah non, Balor. Une succube. Nick. Ah, tu ressembles vachement à Bélial. T'as été vachement classe. T'es un peu faible. Tu pues un peu. Et il a la clé. Il a la clé. Ah, ça s'ouvre. Ok. Ça s'ouvre. Si ça s'ouvre, écoute, tant mieux. Je crois qu'il y a un coffre aussi là-bas. Bah, c'est cool. Bah, tout s'enchaîne. Vachement bien. Oh, une arme de feu. C'est cool. Et des flèches acides. Oh, première fois que j'en vois. Donc là, allons-y, l'hôtel. Vas-y, est-ce qu'il y a un truc cool qui se passe? Pourquoi vous êtes-vous emparé de ce mot de pouvoir? Qui servez-vous? Oui, bonjour, déjà. Oui. Oui, bonjour. Ces noms ne veulent rien dire pour moi. Vos villes sont jeunes et vos récits ne sont qu'un court feuillet dans l'histoire du monde. D'accord. Un seul individu de votre espèce m'intéresse. Maugrim. Ah! Dites-moi, êtes-vous au service de Maugrim? Non. Je vois que vous dites la vérité. C'est bien. Votre ennemi est également le mien. Il faut arrêter Maugrim. Il ne doit en aucun cas mettre la main sur les mots de pouvoir. Ouais, et moi j'aimerais savoir qui tu es. Je suis Aedralin, chef thème des esclaves des mots. Ah. Ce que vous voyez devant vous n'est qu'une projection magique. Je suis encore trop loin pour vous aider directement. Eh ben... oui. Ok. Très bien. J'ai bien d'autres choses à vous dire, mais mon sort est en train de se... D'accord, madame. Oh putain, elle a un portail. Vas-y, je prends le portail. On prend le portail d'Alain. Vas-y, ça va être cool. Putain, direct à Francard. Ah non, direct au début. Impeccable. Et il pleut. Meilleure façon de conclure. Ok. Eh ben, c'est cool tout cela. Voyons voir ma carte. Oh, il y a trop de trucs. Oui, ça c'est bon, 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 ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est pour après. Et ça c'est...
Oui, non, ça, bon. Après, faut que j'aille soit à l'ouest, soit au nord. C'est ça. C'est ça. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se terminer pour cette petite session. Dans encore une petite heure et demie cette fois-ci, pour moi. Donc, il y aura peut-être quelques cuts à faire en vitesse, mais voilà. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette session, ou bien cette vidéo jusqu'au bout, ou bien l'intégrale de la playlist à l'heure actuelle. Jusqu'ici, c'est très sympa à vous d'apporter autant d'intérêt à ce jeu et à cette série. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la commenter sur votre expérience de jeu, la partager aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine sur Neverwinter Nights.